sécurité est commandée à mon agent particulièrement. Je ne la demande pas partout ailleurs dans le pays. Nous prions pour tous les civils innocents qui sont injustement coincés au milieu d'une tragédie insensée. Leur seul tort est d'avoir un sol et un sous-sol. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes, et vous asseoir s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous sommes les 16 juin 2022, c'est mois de presse et consacré à la cinquième agression de la RDC par le Rwanda. Alors je m'en vais laisser la parole au président élu qui va s'adresser à vous. Et juste après, je vais revenir vers vous pour vous dire la suite de notre. Papa, chapeau. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je m'adresse à vous ici comme des gens qui représentent la population congolaise. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Le pays est en danger. La présence de forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établi et reconnu par le monde entier. Il s'agit de la cinquième agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les leaderships illégitimes, faibles, incompétents et corrompus qui est constamment à la recherche d'une légitimité enfoncent davantage les pays dans la ville. En effet, M. Félix Tshisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejeté par la population, en est une preuve. La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en est une autre. Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sans aucune planification. Pire, M. Félix Tshisekedi a inutilement
provoquer une compétition entre les pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Il promet à tout le monde et cette incontinence de promesses expose les pays au danger. Très chers compatriotes, les derniers développements de la situation à Bunagana, particulièrement, ont accentué la tension dans la région. Cette situation requiert courage et responsabilité dans sa gestion. C'est pourquoi, prenant nos responsabilités devant le peuple congolais, nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le Président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. À l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le Président Macky Sall de faire actionner les mécanismes appropriés de l'Union africaine pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel qu'il est codifié dans la Charte des Nations Unies. Peuple congolais, cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais, qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Ne tombons donc pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Nos peuples sont plutôt victimes du cynisme des leaders qui se plaisent à entretenir des cycles de violence et qui se nourrissent de ces violences. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger, conformément à l'article 63 de notre Constitution. C'est à la fois un droit et un devoir sacré pour tout Congolais. En attendant, nous prions pour la sécurité des Congolais à Bunagana, particulièrement, et plus généralement partout ailleurs dans le pays. Nous prions pour tous les civils innocents qui sont injustement coincés au milieu d'une tragédie insensée. Leur seul tort est d'avoir un sol et un sous-sol riche. Nous prions aussi pour nos forces armées, afin que notre Dieu juste leur donne la force de vaincre les agresseurs et ainsi sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, ses vaillants militaires et tout son peuple. Je vous remercie. On ne sous-traite pas sa sécurité intérieure. Le Congo doit se battre. Nous devons équiper correctement nos forces de défense pour qu'ils se battent avec l'aide de la population tout entière. Merci. La MONUSCO a refuté cette accusation. Tous les pays aujourd'hui reconnaissent que l'armée rwandaise est dans le sol congolais. L'armée rwandaise est dans le sol congolais depuis très longtemps. Les Nations Unies elles-mêmes, par ses experts, avaient reconnu la présence des armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, l'armée burundaise et l'armée ougandaise,
sur le sol congolais. Donc, je ne pense pas que la MONUSCO peut se dédier. Jean-Clément Valreau, 34. Du Rwanda, il faut demander au Rwanda. Demander au Rwanda pourquoi, depuis 25 ans, le Rwanda fait la guerre au Congo. L'issue de la crise, donc, c'est quand le Rwanda dira exactement ce qu'il veut. Et quand je parle du Rwanda, je parle du président Kagame, parce qu'il ne faut pas confondre le président Kagame avec le Rwandais. Et comme nous l'avons dit ici, le peuple congolais n'a aucun problème, aucun souci avec le peuple rwandais. Mais pourquoi on nous fait la guerre? Vous connaissez le rapport Mapping? Il y a eu des atrocités commises au Congo. Personne n'en parle. Tous les jours, des gens meurent. Pendant que nous sommes en train de parler à Ituri, à Beni, à Butembo, partout dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, les Congolais meurent. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour cela que nous nous disons, et c'est à la communauté internationale, c'est aux Nations Unies de poser le problème. Quel est le problème? Le problème, est-ce que c'est comme dit les Rwandais, c'est les FDLR qui sont au Congo? Pourquoi ces FDLR sont-ils au Congo? Ils sont donc des combien? Et pourquoi les Nations Unies ne prennent-elles pas une solution, ne trouvent pas une solution pour ces FDLR? Voilà. S'il vous plaît. Oui, bonjour Monsieur le Président, c'est Christian Kalongi, journaliste de Télé 50. Vous avez dénoncé dans votre discours l'agression rwandaise contre la RDC. Qu'est-ce que vous préconisez en termes de solutions palliatives pour sortir le pays de cet état d'insécurité? Et vous avez également parlé des accords secrets. Quels en sont les signaux, selon vous? Merci beaucoup. Okay. Merci. Des solutions, et ça fait suite à la question de M. Bonneau. Vous savez, solution, c'est le peuple qui doit trouver une solution. Dans l'exposé des motifs de notre Constitution, il est dit que depuis le 30 juin 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et des leurs alimentaires. Et nous avons le même problème dans la région, toute la région. La solution, c'est de mettre en place des régimes démocratiques. La solution, c'est de mettre en place des régimes qui sont soutenus par leur population. Voyez-vous, nous sommes attaqués par le Rwanda aujourd'hui et certains Congolais trouvent encore le moyen de se diviser. Mais si nous avions un régime légitime, élu, mis en place par le peuple congolais, et tout le peuple congolais serait derrière ces régimes. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, en tant que le président élu de la RDC, je demande à tous les Congolais d'être derrière nos forces armées. On va peut-être prendre une dernière question, parce qu'elle en est... Dernière question française. Okay. C'est là. Parce que le gouvernement a eu une décision de rapport sur les qui signé entre les gars et la RDC par 4 ans. Le Mano est par rapport à Mama, avant, n'a pas salué Yann Lingala, on a besoin de moquer la différence pour le Mano. Vous avez des preuves des accords? Quels sont les accords? Mais quand le gouvernement congolais dit qu'il suspend tous les accords signés avec le Rwanda, vous voulez que moi je vous donne quels accords? Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords et ces accords, nous ne les connaissons pas tous. Nous savons que M. Tshisekedi a signé
des accords d'abord avec le Rwanda, l'Ouganda. Le Rwanda, c'était déjà des accords commerciaux. L'Ouganda, il est parti signer des accords militaires, vous avez vu. Et puis après, le Rwanda dit que non, moi aussi j'ai besoin des matins de gâteau. Il a signé des accords. Le président burundais s'est précipité pour venir ici à l'hôtel du fleuve pour que lui aussi ait sa part du gâteau. Donc tout ça, c'est des accords. Vous avez vu les accords. Des accords, je parlais des accords commerciaux. Vous avez des accords des raffinages. Vous avez plusieurs accords. Mais le problème, c'est que les Congolais ne savent pas ou ne connaissent pas ces accords. Il est parti, il a amené le Congo dans la région ou la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Sur base de quoi? Quelles sont les motivations? Qui l'a amené là-bas? Pourquoi il a amené le Congo là-bas? Est-ce que le Congo a la vocation d'être un pays d'Afrique de l'Est? Nous sommes dans toutes les communautés ici, CIRGL, SADC, EAC, Union africaine, vous avez les ZLEKA ou ZLEK et tout. Quel est l'intérêt du Congo aujourd'hui dans cette communauté, si ce n'est aller s'offrir bêtement? Maman, Likambo, Yoezalia, Wanambo, Kanabiso, Yoezalikambo, 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 Tozali, Nabakonzi, Oyo, Badena, Makokite, Okama, Mboka. Mboka, Nabiso, Mabana, Mbondisambo, Banda, Kala. Lelo, Yo, Tozali, Nambula, Tukumbe, Namitano. Tango, Makambo, Yebandi, Bamisu, Subiso, Yo, Tozali, Kinano, l'ilengue de l'autre commune qu'on n'a pas cap ma cambole est à dire caca bana minki ma botami a botami a sinisi kelasi ti le loyo a zani koumon na ma cambole sa okene mala mouté tous aïe n'a mboka na biso kuna na est ya Congo surtout na Nord Kivu. Nord Kivu a ben yango grenier ya Congo sa koutoune na biso awa biloko nyonso ma desu, ma oignon, ma tungulu, nyonsu, ma pomme de terre, les loyo, ma tobacoma, ma koufanzala, on a nyonsu, on a et tumbao, yo, et maka, na kati ya Rwanda, voyez bien, on a besoin de la beauté, bana ya Rwanda, on a juste payé, kokota na Congo, kokota bakota ki na Congo, bato, yo, paye, soit qui pouvoir prendre la Rwanda, balandi, bango, na mboka la biso. On a balanda bango, balisa bango awa, batika bango awa, balmi ko disa bango te, bango bango ba zoka, tango nyon so prétexte ete, et baza on a batouana, et batouana baza ko sangana ba solde na biso, ba bongisa bango. Yango wana, to ye wapona bolobana, oni, aluka mokano, paswa mokano, ona batouana. Et donc, on a l'ONU à Sala Nyonso, parce que Bisso, Banaboka Congo, tout en a besoin de Kimia. Tout en a battu à Kimia. Tout en a battu Nyonso, Awa, tout en a dit Dumbate. Tout le monde est dans l'Union africaine. Oyo, Mokambinango, et le président Macky Sall. À Sala Nyonso et Koki, on a Kimia et Kotanamboko. Tout le monde est président. Il y a Angola, Joao Lorenzo, il y a Persala, Nyonso, dans ma cambo, il y a Bana qui faut qu'il y ait un quota pour tous les battu à qui vient de l'unir mon volonté. Merci, merci, merci. Merci. Merci, président. Jimmy Bray, mais IRC News, média en ligne. Mais il y a tout là. Par rapport à des questions à l'OMI, ici, il y a réunion au bateau, il y a un conseil supérieur à défense. Puis ici, comme Mbeko, il va suspendre la ratification, il y a un corps, il s'est amené à Ougandon. Mais pour tout le monde, est-ce que tout c'est limité parce qu'il y a un suspendre la ratification, il y a un corps, ou plutôt révéler le contenu, il y a un corps,
C'est ce qui a été dit dans ces accords. Ne comprenons pas pourquoi nous sommes en train de nous aujourd'hui, il y a un il faut que nous ne comprenions pas. Nous ne comprenons pas. Parce que Baloba qui était, M. Tshisekedi dit, après ça qui nous est là, dans la bande de M23, après ça qui va au Bilaka, qui a posé la boye, à salité. Bilaka, moi, j'ai dit, nini. Tous les yawa, kaka et loko, moko, tout le bakawa, côté Kambo, à Kongote, ne pas trahir le Kongo. Moi, j'ai dit, trahison. Tous les trahison, mon nini yawa. Ba koti armé boza ko bunda ba ye ba koti le bien sima ta pe bisima ka mama kunda la asa ne tumba asa ko gagne a kiti si ba tola na se ba ye ba bomi OK ba uma le jeune ba uma ndenge moko mbuza mabe ndenge moko bomo yoka ba soda kuna ba ko ba ke o to za ne loko bo ite to za ne loko bo ite mais eloko nini ya ngwana to lobi que makambo nyonso Tovanda ici comme on compte. Tout bandé là, on compte dans les bandés. Babilo pour y basala qui cala. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans les robi? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans les robi? Non. Tout bouillit yango. Yango wana, président Lorenzo, asala ma kasi, pour total en dégni tout bouillissa mboka. Yango wana ici, bana yamboka. Nako bongo na lingala. Ke ba rwande, basali bidemi na biso te. Congolais à moto à tout sa cabomoyi y a bateau. Bisoua ou à Tosani, Koleka, 95% des chrétiens. Ou te dit que, au bon moto, ils allaient m'appeler, au salon moto m'appeler, ils allaient du soum. Yangoana, Basalego, Tosana dit Kamboté, Bisso, na ba Rwandais, Tosali Bandeko. Mais, et loko yo, ils allaient Kotia, Kolongo, na ba Kamboyo, ils allaient partout, Basa au Kamba. Boka, Bango, Bazana, agenda na Bango, Moussa na Bango Kaka, violence, 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 Bayebi Degnini, violence wana et profiter la ka Bango. Merci, merci beaucoup. Bon, je crois que ici Sawana, ici de l'Obimo et Télé, ici Monsieur le Président, je voudrais déjà vous dire que la déclaration du président Toussa, la déclaration qu'il a faite, c'est ici, je ne vais pas vous dire tout à l'heure. Encore une fois, merci pour votre présence massive. Nous avons terminé. On ne sous-traite pas sa sécurité intérieure. We'll be right back.